sur l'eau, peut-être qu'on ira un peu faire trempette quand il fera beau. Ici, on a le sofa, en fait. Et très beau. Ici, on a le petit bateau avec la fin. Donc, on a en fait fait une presqu'île. Parce que quand l'eau coulait, c'était difficile à contrôler. Et c'était pas facile à gérer, on va dire. C'est pour gérer le débit, quoi. Ouais, voilà, ça s'est rodé assez vite. Le bateau que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, le magnifique petit bateau. Et derrière Mathéo, il y a un canon avec des boulets qui ont été volés régulièrement. Ah, et des personnes, ben, on va les recevoir. Tu filmes hein, toujours. Hein. Bonjour. Bienvenue sur l'île. On tourne en ce moment un documentaire. D'accord. Ça tourne. Alors, je vais montrer deux secondes le dossier qu'on montre à... On coupe ou pas ? Non, 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 tu continues. C'est le dossier qu'on montre à tous les membres. Donc, c'est toutes les plantes répertoriées sur l'île. Mm-hmm. Comme ça. Vous les connaissez par cœur, bien sûr. Les plantes ? Non ? Non, lui, il est jamais vu. Il est jamais venu. On va faire des interrogatoires d'interrogations à la fin du mois. Ça, c'est ça, la plante à baigner. Et je vais en ramener à la maison pour faire des beignets. C'est vrai, c'est super bon, hein, c'est ce qu'elle m'a dit l'ONF. Et le poivre d'eau... Ça se mange, c'est pas celui-là, je vais le montrer. Je vais le chercher, je vais en ramener aussi. C'est celui-ci. Ça, je vais en ramener, ça se mange, c'est vachement bon. Vous voyez si vous en trouvez. C'est ça, là. C'est la première fois que tu vois l'île, là. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois ce truc? C'est un peu bizarre. Ça te fait tripper, non? Ouais, un peu. C'est la première fois que je vois ça. Ça te fait quoi? Ça te fait ta peur, hein? Ou non. Tu te dis, c'est génial, ou c'est... C'est sympa. C'est un petit peu. Et tu veux que je te fasse une visite? Non, c'est bon, on en va bien. C'est bien, ok, vous repartez? Ok, mais on va vous laisser repartir. Nous, on va construire un petit truc. D'accord. Quand vous reviendrez, ça sera fini. Quand vous reviendrez. Quand vous reviendrez, ça sera fini. T'as du mal au français aujourd'hui? Eh oui. Bon, bah, bye bye. Mathéo, tu m'aides? On fait le... Alors, le but ici, ça va être de monter à peu près 5 heures. Et je vais tailler le bois et je vais faire deux piquets avec une branche au milieu. Il y a une espèce d'argile qui se mélange à la vase. Et le père d'Antoine suggère que pense que le Satori déverse des hydrocarbures qui polluent. Et on a une odeur d'hydrocarbures. Et moi je trouve que c'est très agréable en fait, je m'habitue. Mais c'est super pour la construction. Alors, on va mettre les pierres maintenant. Je pense. On fait comme ça. Non. Oh yeah. Appuie. Donc on va commencer, ouais, donc il y a le petit pont qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc là il y a un petit banc, bon normalement les fougères elles sont vertes. Donc comme je le disais, il y a un banc. Tout le monde a peur de s'asseoir mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'insectes qui sortent. Donc, quand on voit un beau sofa comme celui-là et une super belle chaise comme celui-là, on a vraiment envie de s'asseoir là-dessus. Quoi. Le fauteuil du King. En fait, c'est le président des... C'est l'ouvrier principal, quoi. Comment dire, l'ouvrier principal, quoi. Non, qui attends. Qui a fabriqué ce... Comment ça s'appelle déjà, là? Le gouverneur, le président. C'est aucun pouvoir de décision plus que les deux autres. Donc, gouverneurs. En fait, il est super confortable et tout. Vous pourrez vous asseoir après. J'espère. Si vous appelez au... On verra plus tard. Donc, 039 56 87 0. Non. Oubliez ce numéro, c'est un numéro privé. Donc, le sofa, avec la chaise longue, qui se prolonge en sofa. Donc là, c'est Armand qui a construit ça. Et donc là, il y a un canon calibre, je sais pas, un canon. Donc là, magnifique maison, œuvre d'art des années
des années 2008. Donc avec un petit cochon en terre, un petit Peggy la cochonne en terre, un truc en caillou. C'est Charlie, tu connais pas Charlie? Oui, Charlie, le petit chien en caillou. Et il avait des oreilles. Ouais, il avait. Mais le croco il l'a bouffé. Topo. Donc là il y a un petit trou. Hein. C'est l'idée de première chute. Voilà. En fait, il y a des saloperies dedans. Voilà, en fait dedans c'est un trou pour mettre de l'eau, des grenouilles. Ouais, mais ce qui s'est passé, c'est que son machin il est pas hermétique. Donc ensuite, des jolies fleurs, magnifiques. Ça fait triper tellement que c'est beau. Qui sont ces jaunes avec des fleurs jaunes? Un magnifique bateau qu'on a fait voguer tout à l'heure sur l'océan. Il peut résister à des chutes. Donc nous allons nous quitter. Non, c'est pas. Cette magnifique vue. On va mettre la deuxième couche. Mais fini avec. Là, il y a un chien film. Un chien qui essaie d'attraper un. Nous allons nous quitter sur cette magnifique vue de l'étang avec un chien qu'on voit là-bas. Là. Donc, attends, voilà. T'as poussé avec une... Il y a la grande île. L'île où il y a les oiseaux et tout. Un héron, des fois. Et voilà. On va foutre des gros là. On vient d'aller chercher les cailloux à l'instant. En direct de ce petit coin charmant, nous allons vous présenter la nouvelle eau, la Bucoise. Riche, purement naturelle, comme vous le montre notre ami Toulon. Elle revitalise complètement. Il vient de voir la Bucoise.